Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. You are welcome to not tonight, this morning. Bro, je ne peux pas l'objet. You're welcome to this broadcast. Yeah, you're welcome to this broadcast. So it's English. It's English today. Désolé, hein? We are desolated. Hein? No, we are sorry. We are sorry. You know, this is the higher level of English, you see. I speak the Britain one. You are the Britain. I'm speaking the Bonaberian one. The Bonaberian one. Not the Bonaberian, the Cameroon. You know, yeah. Cameroon, they have a type of, they have their own way of talking, speaking English. Like they say, when you hear Anglophones speaking in Cameroon, yeah, it's not only Francophones. Cameroonians generally they will say something like in my quarter. Yes, in my quarter. So quarter. Normally you don't say that in English. No. In good English you say in my suburb. I remember the first time I was in my suburb. Yeah, my suburb. You know, we are going every day. Yeah. So you say in my suburb. Yeah. So the first time I was talking with some folks from some country in America, England. So I say my quarter in Cameroon. And they didn't understand. They didn't understand. They didn't understand what is quarter. So yeah. I had to explain myself, and they said, "Oh yeah, you mean your suburb?" I said, "Yes, my suburb." You know. Okay, we thank God for that. So yeah. We are so happy to have you this morning again, and we are, of course, we are excited to share with you what we have to share with you people. You know, we are in Togo. We're in Togo. Togo, yes. Oh, bless the Lord for precisely Togo. In Lomé. Beautiful city. Yeah, we are here for 1 week program. Yeah. And yesterday was powerful. Yeah. And we saw the hand of God and the grace of God on His people. And today, tonight, we think that it will be very prophetical. Yes. Because I just want to liberate what God has given me, you know. Yeah. We just want to. Bon, bien aimé, voilà pour ceux qui n'entendent pas anglais, parce que là, les gens vont se déconnecter. Que Dieu vous bénisse. Nous vous appelons, nous vous parlons de Lomé au Togo. Nous sommes au Togo pour une semaine et aujourd'hui, une continuation, c'est la fête nationale togolaise. Oh. Le reverend Romain doit venir chanter l'hymne national togolaise. C'est un jour spécial pour le Togo. C'est et oh, nous prions pour le Togo, nous prions pour tous les Togolais au nom de Jésus. Voilà, nous présentons le drapeau togolais le comme ça. Togolais. Le reverend Romain vient chanter l'hymne togolais. Tu sais, si ça fait plus de 5 ans, tu dois maîtriser. Tu ne chantes pas l'hymne togolais aujourd'hui, on te renvoie au Cameroun. La note d'affectation suivra immédiatement. Parce que ce sera un péché de lèse-majesté. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il est souverain, vous savez, la grâce de Dieu, elle est forte. Elle est au milieu, elle est puissante au milieu de nous. Et nous voulons tout simplement dire aux Togolais, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. La nation togolaise est bénie. Amen. Bénissons le chef de l'État togolais. Oh, nous le bénissons. Nous bénissons les ministres togolais. Nous bénissons les généraux. Nous bénissons les gouverneurs. Il y a le gouverneur aussi ici, non? Reverend Romain, est-ce qu'il y a le gouverneur ici? Est-ce, il n'y a pas le gouverneur au Togo? Il n'y a que les ministres. Est-ce qu'il y a les préfets? Les sous-préfets, il y en a. Bon, dans tous les cas, nous bénissons toutes les autorités de mon pasteur, notre pasteur, s'il me connaît. Il va chanter l'hymne national togolais. Viens. Viens, Antoine. Voilà, il va chanter l'hymne togolais. Si tu ne vois pas, ne fais pas que ta face soit ici. Et si tu voulais chanter l'hymne togolais. Parce que si ta face soit ici, là, le togolais, on va t'attendre le tape en route. Les gens vont dire que quel pasteur qui est chez nous, il ne peut pas chanter l'hymne togolais. Bienvenue. We are blessing. Nyawezo. Nyawezo. Sovedo. Akpe. Dosso. Dosso. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse le Togo. Nous souhaitons la paix dans cette nation. Nous souhaitons le développement. Nous souhaitons à toutes les familles togolaises la paix. Que Dieu vous exauce. Que Dieu donne la santé aux Togolais. Que Dieu donne la longévité aux Togolais. Nous déclarons des paroles de bénédiction sur la nation togolaise.
Et nous déclarons que toute prophétie de Dieu pour cette nation soit accomplie. Que les promesses de Dieu pour la nation togolaise soient accomplies au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Notre programme continue. Après la grande fête nationale, la fête patriotique ici au Togo, le soir nous nous retrouverons à partir de 17h. 16h c'est même mieux. Hein, du côté de Sakbato, Logoté, vers la route de Segbe, sur les vols de Mipas. Dans le vol de Mipas. Tu sais, hier, le Seigneur t'a utilisé puissamment. Mes enfants m'ont dit qu'ils ont été bénis. Le message a été fabuleux. La gloire de Dieu était mirobolante et mirifique. Et nous avons vu les délivrances extraordinaires, époumonantes et époustouflantes. Nous avons vu la fille. Oh, s'il vous plaît. Allez d'abord à la réception, s'il vous plaît. Réception. Rapidement, pardon. Ce matin, de bâtir le rhum ici. Allez d'abord, attendez à la réception, on va vous rappeler. Donc, par la grâce de Dieu, on a vu des délivrances extraordinaires, homme de Dieu. Wow. Des démons qui partaient, la main de Dieu, je n'étais pas reconnu. Et les gens m'ont écrit qu'ils ne t'ont pas reconnu. Le prophétique était extraordinaire. Je me souviens de cette femme, de ce jeune homme sur qui tu as prophétisé. Et tu lui as dit, sa mère est seule, elle n'est pas mariée, elle a abandonné, rejeté. Le jeune homme avait des larmes aux yeux. Et la gloire de Dieu était forte et puissante. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, vous savez, lorsque Dieu dépêche des prophètes, je dis toujours, les prophètes sont des flèches dans le carquois de Dieu. Amen. Dieu ne nous sort pas pour rien. Oh, yes. Il y a une personne qui doit être bénie. Amen. Il y a une famille qui doit être bénie. Amen. Donc ce soir, nous allons entrer dans la délivrance prophétique, comme j'ai promis hier. Donc prie à partir de maintenant. Yes. Tu sais, il y a des personnes qui pensent que le prophétique, c'est les amusements. Les gens ne savent pas comment on se prépare à l'église. Vous savez, les prophètes, on n'est rien en fait. L'apôtre Paul a dit, il dit, Kai Meros Ginoscomen, Kai Meros Prophéto. Oh, mais nous connaissons Meros et nous prophétisons, mais c'est les Meros. C'est-à-dire que c'est en partie que nous prophétisons. Ça veut dire quoi? C'est par la grâce du Seigneur que nous parlons. La Bible dit qu'aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous allons parler, poussé par le Saint-Esprit, de la part de Dieu. Amen. Dans ta vie ce soir, à partir de 16h. À Sakbato, Logoté, Dieu veut te bénir. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Et il faut que tu sois là. Amen. Homme de Dieu, tu sais, parfois, le diable peut dire à quelqu'un, non, ne sois pas là, c'est loin, ou bien tu iras tel jour. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Ce soir, d'entrée de jeu, parce que hier, ça a été fort du début jusqu'à la fin. Mm. Et c'est le rythme que nous avons arboré ici. Amen. Nous allons continuer et continuer à l'arborer jusqu'à la fin. Amen. Mm. La Bible dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les saisons. Et les saisons. Mm. Et vous savez, pour pouvoir entrer dans votre destinée, il faut être capable de discerner le temps et les saisons. C'est une saison nouvelle pour le Togo, c'est une saison spéciale. Le passage de ces oies dans cette nation et à Lomé particulièrement dans cette saison est un signe fort. Amen. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui savent discerner le temps et les saisons ne peuvent pas manquer. Doivent comprendre et ne doivent pas manquer. Sous aucun prétexte. Mmh. Même s'il faut emprunter de l'argent pour prendre le taxi, la voiture pour venir, même s'il faut aller à pied, commencer à marcher maintenant. Il faut voir au premier siècle, homme de Dieu, lorsque les gens devaient aller faire le pèlerinage à Jérusalem, trois fois par an, parce qu'il y avait trois grandes fêtes juives. Et les juifs de toute la diaspora devaient se déporter à Jérusalem trois fois par an. Et à l'époque, on n'avait pas les moyens de transport comme aujourd'hui. Les gens devaient parcourir, voyager au travers des chameaux, les chevaux, les ânes, ainsi de suite. C'était des jours. D'autres personnes allaient à pied. Quand je parlais, par exemple, de voyage d'Abraham, de Charan. Oui, de la Mésopotamie à Charan et de Charan à Canaan. Voilà. Oh. Donc, ces voyages se faisaient à pied. Ouais. Donc, ces personnes étaient mues par le désir de satisfaire le cœur de Dieu. Donc, vous devez comprendre que dans cette saison, venir à ce programme, c'est satisfaire le cœur de Dieu. Amen. Là où Amen. Vous devez être Amen. Pour recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Mm-hmm. D'autres personnes m'ont dit, non, moi, je reste chez moi, je reçois de Dieu. Ok, ça, Il faut comprendre qu'il y a des endroits d'alliance. L'église est un endroit d'alliance. Ouais. L'église est un hôtel. Selon Saint Somme 33 même. Voilà. Il est beau et agréable à des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Il faut voir dans la Bible qu'il y a des endroits où les cieux étaient particulièrement ouverts. Par exemple, dans Genèse chapitre 28, quand Jacob est en train de partir à Padamaran, lorsqu'il fuit son frère, il arrive dans un endroit où il dort, il repose sa tête sur une pierre et là, il voit les cieux ouverts. Oh là là. Il y a des endroits où les cieux sont ouverts. Ouvert. Dans l'église qui est un hôtel de Dieu, le ciel est ouvert à cet endroit. Amen. On ne dit pas que dans ta maison, il n'y a pas Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Mais il y a des endroits spécifiques où les cieux sont ouverts. Ouais. Et dans l'Ancien Testament, on a plusieurs endroits comme ceux-là.
où on voyait, on voit une manifestation de Dieu d'une façon extraordinaire parce que les cieux sont spécialement ouverts à cet endroit. Mm-hmm. Donc ça m'a donné le côté où l'église vraiment ministre se trouve est un lieu où les cieux ont été ouverts au travers de des prières qui ont été faites sur cet endroit, au travers de l'onction d'huile. Parce que quand on inaugure une église, en fait, c'est pour consacrer cet endroit à Dieu. Amen. Et pour demander aux anges de monter et de descendre. Amen. C'est pourquoi quand on arrive là-bas, on peut sentir une la présence de Dieu. Une gloire que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas saisir. Et homme de Dieu, je voudrais dire aux gens de savoir, la Bible dit dans Psaume 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et l'Écriture dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et je dis, heureuse, et il dit heureuse la ville dont l'Éternel est le gouverneur. Et j'ai dit heureux l'homme, heureuse la femme dont l'Éternel est le Dieu. Vous savez, les anges ont marché avec Dieu et ils ont été récompensés. Quoi que nous fassions sur la terre, qui que nous pensions être, en vérité, nous ne sommes rien sans Dieu. Un jour en Angleterre, Dieu m'a dit à travers son ange, n'oublie jamais ceci une fois pour toute ta vie, un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Choisis la voie sans Dieu. Et c'est choisir la voie de la destruction. Et ça, c'est clair. Et je dis souvent que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, homme de Dieu. J'étais en train, c'est à toi que j'ai parlé quand on était au restaurant. Et on a vu une jeune dame qui était un peu habillée, comme déjà on dit sexy. Et je t'ai dit que quand je vois une femme habillée comme ça, avec presser son corps dehors, ça sème le dégoût en moi, ça met le dégoût en moi. Pourquoi? Parce que cette vie mondaine, et quand tu vas sur Facebook aujourd'hui, tu vois ce que les femmes font, la nudité qu'elles exposent, et tu vois l'avenir après la mort, tu comprends que les gens ont choisi une mauvaise part. L'homme intelligent cherche Dieu. Amen. Parce que imaginez-vous, depuis que vous êtes né, combien de personnes vous avez perdu dans votre famille? Combien de personnes? Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a fait face à la mort. Chacun de nous, tu as perdu un père, une mère, un frère, une soeur, un ami. Dans tous les cas, chacun de nous connaît au moins une personne avec qui elle parlait et la personne est morte. Ça devrait attirer notre attention pour nous montrer que la vie est éphémère et qu'elle est passagère. Et que le souffle de vie parfois peut être trompeur lorsqu'on pense être éternel. Parce que c'est ça un peu l'erreur de la vie. Tout à fait. C'est qu'on voit les gens mourir, on ne prend pas conscience parce que on se dit, moi ça ne peut pas m'arriver jusqu'à ce qu'on soit soudainement surpris. Aujourd'hui, nous assistons à des obsèques par rapport à d'autres personnes qui sont mortes. Et quand tu vois, tu pleures. Et une semaine après, la prise de conscience est finie. Tu vois comment quelqu'un est mort. Tu dis, ah Seigneur, je me repens de mes péchés. Et après une semaine, deux semaines, tu dis, ah, advienne que pourra. Mon ami, si tu vois ce qui attend le pécheur après la mort, tu ne diras jamais, advienne que pourra. Tu diras, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Que ta mort expiatoire, propitiatoire sur la croix, Seigneur, pardonne mes iniquités au nom souverain de Jésus. Je veux te connaître, je veux te servir. Ça, c'est la vraie sagesse. Parce que ceux qui suivent la voie de l'orgueil, de la prétention, de la mégalomanie, en réalité, on suivait la mauvaise voie, c'est la voie de la folie. Il est bon que chaque homme connaisse Dieu. Qui que tu sois, ou que tu m'écoutes, que tu nous écoutes ce matin, la question c'est, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle? Est-ce que la vie que tu mènes là, après la mort, te sera favorable? Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est elle qui t'ouvrira la voie de demain, après la mort. Il y a des gens qui meurent, on dit, ah non, oh, que la tête de nos ancêtres leur soit légère, qu'ils aillent se reposer. Pour certains, c'est le début du tourment, des tourments, mes amis. Certains meurent, c'est-à-dire que la vie que tu mets sur la terre, c'est la même vie-là, la voie qui sera ouverte après ta mort, là, c'est celle de la vie que tu auras menée sur la terre. Donc si tu as mené une vie d'orgueil sans Dieu, parce que tu dis, ok, je suis élevé en dignité, j'ai mes moyens, j'ai les possibilités, etc., sache qu'après la mort, tu iras en enfer. Ça, c'est une réalité qu'il faut que les gens comprennent. Mais pour ceux qui ont choisi l'éternel, ils ont choisi la bonne part. Amen. Donc, je voudrais tout simplement dire à quelqu'un que... Et puis, j'ai vu des gens, le papa Zakaria Stanifomoun, qui est une voix majeure de l'évangile au Cameroun, a expliqué qu'un jour, ils sont allés évangéliser dans une université, un hôpital universitaire, le CHU. Centre université, centre hospitalier universitaire. Et il y a une jeune dame qui était malade. Et papa Zakaria Stanifomoun est allé pour parler de Christ à cette femme, à cette jeune dame. La jeune dame lui a dit, je m'en fous, je ne veux pas vous parler, je n'ai pas besoin de vous. Elle avait soutenu, elle allait soutenir sa thèse de doctorat. Là, c'est la dame, peut-être dans deux semaines.
Et elle a dit à papa Zacharias, t'as une forme que dans 2 semaines, je soutiens mon doctorat. J'ai besoin de Dieu. Pourquoi? Je suis béni, j'ai mes moyens, et je vais bien. Et si je vais sortir de l'hôpital, je soutiens mon doctorat. Après ça, j'aurai un très grand boulot. Où j'ai dit dans quelle firme? Et papa Zacharias a dit, s'il te plaît, je peux prier au moins pour toi que tu guérisses. Elle a dit, j'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas du tout besoin de Jésus. Et donc, ils sont partis. Le lendemain, comme il passait, il a dit qu'il va comment aller insister encore. Il arrive, on lui a dit que la jeune femme était morte. En 2001, je suis allé à l'université. Je me suis inscrit en Guaïkélé, en lettres modernes africaines. Lettres et langues africaines, LLA. Nous étions la toute première promotion en Guaïkélé qui avions ouvert la filière LLA. Voilà. Lettres et langues africaines, je crois. Linguistique et langues africaines. Mais nous étions peut-être 6 étudiants. On nous a donc balancés tous en LGA, linguistique générale appliquée. Donc, en cette année-là, nous avions une camarade de classe. J'avais une camarade de classe qui avait aussi une camarade de classe qui était à l'université là-bas. Et puis à chaque fois, une nuit, Dieu lui a dit en rêve, va parler à ta camarade, parle-lui de Jésus. Dis-lui d'accepter Jésus. Et sa camarade était une femme qui menait une vie frivole. Et le matin, elle arrive à l'école, elle n'a pas parlé de Jésus à son amie. Elle a continué à sortir avec elle, il partait manger, il buvait, mais elle ne lui avait pas parlé de Jésus-Christ et du salut par le Seigneur Jésus. Alors, elle se confie en moi en me disant qu'une nuit, pendant qu'elle dormait, elle fait un rêve. Dans le rêve, son ami est en enfer. Son ami qui était étudiant, avait une envoyée, est en enfer. Et elle pleure. Elle lui dit que je me retrouve en enfer par ta faute. Tu connaissais la vérité, mais tu ne m'as pas dit. La vérité, tu m'as caché. La vérité, maintenant je suis en enfer ici, c'est par ta faute. Mon sang retombe sur toi. Et elle s'est réveillée le matin. Elle a couru chez sa camarade pour lui parler de Jésus, pour se rattraper. Elle arrive, on lui dit que sa camarade là est morte cette nuit-là. Elle avait rendu l'âme. Une brève maladie, un malaise, et elle est morte. Elle me demandait comment faire et j'étais embarrassé. Donc qu'est-ce que je veux dire? Qui que nous sommes sur la terre, un jour on va expirer. Le souffle de vie va s'arrêter tôt ou tard. Donc, lorsque Dieu suscite des hommes pour parler à ta vie, ne dis pas « j'ai pas le temps » parce qu'un jour tu manqueras vraiment du temps. Ne dis pas « j'ai pas l'argent » parce qu'un jour viendra, tu manqueras vraiment l'argent. Il y aura de l'argent mais ça ne servira plus à rien. Donc, prends le temps pour ta vie. Pense à ton éternité. Ne pense pas seulement à la vie sur terre. Pense aussi à ta vie après la mort. Pose-toi la question « si je meurs là maintenant, où est-ce que j'irai ?» C'est pour cela que le Seigneur nous a amenés au Togo pour t'aider à te réconcilier avec ton Créateur. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la prophétie. Il y a quelque chose de plus grand que la délivrance, que la guérison. Cette chose-là, c'est le salut. C'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, c'est-à-dire s'il partait en enfer. Donc nous voulons tout simplement vous bénir et vous dire, Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Un seul lieu, Sambato, Logoté, le vol de Mipas, la route 7B, l'église, la congrégation baptiste camerounaise, Réma. Une seule heure, 16h ce soir, ça sera très fort. Dieu se manifestera et les liens familiaux seront brisés. Alléluia. Parce que le thème de ce programme, c'est briser les limites. Toute forme de limitation spirituelle dans ta vie sera brisée. Amen. Le Seigneur te bénira. Amen. Viens recevoir la bénédiction de 2 prophètes, de 2 manteaux. Et Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Homme de Dieu, une dernière parole certainement pour ce soir. Hébreux 9, le verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Vient le jugement. Donc c'est le temps d'échapper des griffes de Satan. C'est le temps de se préparer pour échapper à ce jugement dur et redoutable qui viendra après cette mort. Amen. Donc ce soir, le salut sera prêché. Amen. La parole sera prêchée dans son authenticité. Amen. Qui sera accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Quelle que soit votre situation, d'où que vous vous trouviez en ce moment, faites le déplacement. J'ai d'ailleurs vu, il y a des personnes hier qui ont écrit qu'elles venaient du Bénin. Oui. Donc, tout de beaucoup de pays, Burkina Faso, et ainsi de suite. Donc, faites-vous la faveur de vous déplacer en direction du Togo. Amen. Togo, c'est ton temps. C'est ton temps. Togo, c'est ton temps. Amen. C'est le temps des fils du Togo. Amen. Viens ce soir, reçois la grâce pour briller dans cette saison. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Voici pour la Yesu. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h. Shalom, love you.